à tous, c'est Master Games de Club Pingouin Team 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres que j'ai achetés sur Internet. Donc, parmi ces trois livres, il y a le guide officiel de Club Pingouin, un livre sur le Kerjitsu, et l'apprenti inventeur. Donc là, je vais vous présenter le guide officiel. Désolé s'il y a des bruits, hein. Me balade dans une pièce. Voilà. Vous voyez, un poster, celui que j'ai eu là-haut, que je vous ai montré. Donc ce livre vous permet de tout savoir sur Club Pingouin. Les trucs essentiels. La grande place, le centre-ville, etc. Comment se crée un pingouin, des secrets, tout le tralala. Vous voyez, il y a des jeux. Ils expliquent tout. Mais il n'y a pas tous les jeux vu que ça, c'est pas. On n'est pas encore en 2012 ou en 2013. Donc, voilà quoi. Donc voilà, il y a plein d'explications. Le guide là vous accompagne tout au long du voyage. Du voyage. Voilà quoi. Donc, ça, c'est le bateau de Rockhopper. Vous voyez. Par exemple, là, il y a des fiches d'identité. Oh, Pierre, Rockhopper. Et puis, bien sûr, il y a des secrets. Qui c'est qui vous le dit, à votre avis? Non, ce n'est pas lui. Eh bien, c'est Antarctique. Je vais vous montrer un de ses secrets. Qu'est-ce que fait Antarctique, généralement? Vous savez? Elle écrit le journal. Voilà, vous voyez. Donc elle vous dit, vous voyez des fois, ça vous met Antarctique comme ça. Ça vous met comme ça. Et si vous croisez le mot secret, il faut tout lire. Donc là, le secret, c'est, vous prenez le journal, qui n'est plus comme ça maintenant. Vous voyez l'image là, si elle y est encore, j'ai pas fait attention. Vous passez votre main sur les lunettes, et après vous voyez ce qui se passe. Bon, moi, je l'ai pas encore fait, donc voilà. Il vous explique le truc de coin fort change. Voilà. Voilà, c'est peut-être ce que j'ai à dire. Ah oui, les émoticônes. Je vais vous les dire. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, EU. Ensuite, vous avez les trucs EC, EG, EO. EZ, EQ, EK, EL, EB, EH, EF. Et Antarctique, vous en dites d'autres. On dit EI, Igloo, EP, Puff, ou Puffle comme vous voulez. EM, pièce. EN, la lune et les étoiles. Et là, pour avoir des notes de musique et voir ce qui se passe, vous faites ET. Je ne l'ai pas encore fait, mais regardez-le. Moi, je l'ai pas encore fait, donc voilà. Ah oui. Donc, vous allez à la page 138-139. Et vous arrivez à cette page-là. Vous voyez, fiche d'identité, Wanted, Herbert P. Bear et Clutty. Donc, quand vous arrivez à cette page, vous avez les trucs d'espion. Super Flipper 8 n'est pas un code. Je l'ai essayé, mais ce n'est pas un code. Attention à ça. Donc voilà, il y a aussi des quiz, par exemple pour les puffs. Il n'y en avait que 7 hein, au départ des puffs. Des puffs. Vous voyez le quiz. Après, hop. Voilà quel puff va mieux avec vous. Ensuite, ça vous explique patati. Et à la fin, ici, vous avez le poster que j'ai détaché. Et vous avez des quiz, patati, comment vous êtes. Là, c'est vos trucs, vos informations à vous. Les trucs favoris. Les scores des jeux. Et là, vous avez les items que vous avez débloqués. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Donc ensuite, on va faire le Kerjitsu Handbook. Je sais pas ce que ça veut dire, handbook, main livre. Désolé, hein, c'est que j'ai fait un peu de cuisine. Voilà. Donc celui-là, il y a
Sensei vous explique l'art du kenjutsu. Tout vous est expliqué, l'apparition de Sensei, le dojo, comment a été construit. Voilà. Et là commence votre journée de ninja. Vous voyez, hop, ça commence. Donc là, il vous explique comment ça se joue. Là, vous avez un petit jeu. Je fais comme ça parce que je vais pas vous montrer les réponses, hein, bien sûr. Donc là, voilà, il vous explique des choses. Voilà. Ah, maintenant, vous avez des petits challenges. Donc là, c'est la ceinture blanche challenge. Vous voyez, hop. Vous avez des trucs, vous lisez. Voilà, vous faites le jeu. Après, il vous explique des trucs. Vous voyez, il y a les ceintures, patati patata. Hop, on passe au challenge de la ceinture jaune. Donc, voici, vous faites ça. Hop, il vous explique. Voilà, vous voyez. Hop, orange. Donc là, c'est un quiz. Voilà, là c'est un quiz pour savoir quel élément vous êtes. Le feu, la neige ou l'eau. Vous voulez que je vous dise? Moi je suis ça. L'eau. Allez, on passe à la verte. Donc là, il faut trouver le ninja. Bon, là, facile. De toute façon, vous le voyez pas. Là, vous avez l'image et vous trouvez le ninja. Bon, allez, je vous dis la réponse. Il est là. Vous voyez, hop, vous voyez celui avec le marteau-piqueur, vous montez, hop, et il est là. Voilà, donc là, il vous explique aussi. Hop, on passe à la bleue. Donc là, vous faites le jeu. Et là, bah, c'est à peu près les cartes que vous avez au départ qui vous donnent. Bon, c'est à peu près ça, parce que moi, je crois que ça, je les pose. Si, ça, je les ai. Je les ai toutes, là. Hop, il vous explique. Et hop, on passe à la rouge. Donc là, un quiz encore. Hop, il vous explique. Et là, les cartes de pouvoir. Donc, le feu, l'eau, la glace, patati patata. Ensuite, il vous explique des choses sur les cartes de pouvoir. Là, une 12, là, une 10, donc ça reste... Ah, une 12 de feu. Ah, ben, P-Bear and Cloudy. Et là, bah, vous avez le ninja de feu, hein, bien sûr, que vous connaissez sans doute. Donc là, je dis... Ah, ça, c'est des trucs de la scène. Hop! Violet. Vous voyez, le personnage, il change à chaque fois. Vous voyez, là, il est comme ça. Vous faites le jeu. Moi, je l'ai fait, c'est que ça se voit pas. Donc là, il vous explique le commerce, l'amulette. Ah, là c'est vos badges. Donc moi, ça je l'ai eu, ça je l'ai eu, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Là, j'ai tout ce que je vous montre. Voilà, sauf ces deux-là, les plus extrêmes. Ceux-là, je les paye. Hop, brown. Ah, vous voyez, il a changé de position. Donc voilà, vous avez des questions, réponses. Maintenant, c'est le truc final, le combat final. La ceinture noire. Vous voyez, hop, il change. Et donc là, c'est le récapitulatif de tout. Et hop, là, vous êtes un ninja. Et donc là, vous voyez, ça ne se disparaît. Et la journée, c'est fini. Voilà, après, il y a les réponses, hein, bien sûr. Mais c'est dit qu'il y a les réponses. Voilà. Maintenant, on passe à l'apprenti inventeur. Celui-là, je viens de le recevoir aujourd'hui. On est le 24 juin 2013. Voilà. Vous voyez. Bon, je l'ai pas encore lu. Mais déjà, je sais que c'est en noir et blanc. Donc, je sais pas ce qu'il vous explique. Je sais pas. Là, c'est le GDS RBR Revenge. Je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Voilà.
Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur Club Pingouin. Merci. Vous pouvez toujours retrouver mes vidéos comme d'hab en tapant Club Pingouin Team 3 sur YouTube. Allez!